Le directeur général d'Impala Platinum, Terence Goodlace, a finalement cédé. Le chef d'entreprise sud-africain s'est plié à la loi d'indigénisation qui oblige les sociétés étrangères à céder une majorité de leur part à des Zimbabwéens noirs. Du point de vue de Zimplats et Amplats, nous avons la satisfaction, après 2 années de travail acharné, d'avoir trouvé une solution, dont cette cérémonie de signature est le symbole. Les incertitudes qui ont taraudé Zimplats et Amplats pendant les négociations font maintenant, je l'espère, partie du passé. 51% de la filiale zimbabwéenne d'Impala Platinum, Zimplats, sont donc désormais en vente pour 971 millions de dollars. Comme indiqué dans un communiqué, le deuxième producteur de platine au monde a donc voulu adopter un bon comportement citoyen en se pliant à cette loi controversée mise en place par Robert Mugabe en 2010. Je voudrais encourager les autres entreprises, en particulier celles du secteur bancaire, à se plier aux lois de notre pays, car le non-respect de ces lois ne sera plus toléré et les appels à la défiance et à l'arrogance ne seront plus acceptés. En décembre, le président de la République avait menacé de s'emparer des sociétés étrangères qui résisteraient. Son premier ministre et ancien opposant Morgan Tsvangirai, lui, avait critiqué cette nouvelle législation, soulignant qu'elle risquait de faire fuir les investisseurs. Le gouvernement semble donc jouer un double jeu. Tout en menant une politique stricte de rachat des entreprises étrangères, le gouvernement semblait lâcher du lest la semaine dernière en annonçant la fin des expropriations. Ces 10 dernières années, ce sont près de 4 000 fermiers étrangers qui ont été dépossédés de leurs terres.